Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on démarre cette vidéo de guidance de la pleine lune du 16 juillet, donc pleine lune en Capricorne avec éclipse partielle. Donc pour tous les signes, cette pleine lune va effectuer un nettoyage. Il va y avoir des pendules qui vont être remises à l'heure et j'ai l'impression que chez vous, ça va être très fort. Pourquoi? Parce que vous avez déjà en motivation, donc j'ai pris le dos de deck, en motivation, vous avez le succès. Vous avez envie de succès, ce qui est normal, somme toute, mais les énergies de la nouvelle lune ont été un petit peu compliquées pour vous, j'ai l'impression. J'ai eu quelques retours. Vous aviez la maison Dieu qui était là pour nettoyer aussi. Alors on y va, on démarre. Vous avez l'exclu. Alors cette carte, elle est tombée pour pas mal de signes, pour les Gémeaux, les Balances. De mémoire, mais vous avez l'exclu. En fait, ici, cette carte, elle nous parle d'un enfant qui ne voit pas toutes ses possibilités. Et les possibilités, justement, vous les avez ici. Donc, pour moi, vous les voyez. Vous sortez de cette énergie, vous évoluez. Vous avez 1, 2, 3. Alors, je l'ai vu autre part. Non, là, c'est tout. Vous avez trois cartes d'évolution et vous avez deux fois le pape. Donc en énergie, avoir une lame majeure dans les guidances, c'est très fort. Surtout quand on utilise tout un jeu de cartes, voilà. C'est d'autant plus fort comme message. Donc ici, vous avez deux fois le pape. Le pape, la vacuité, c'est pareil. Alors, le 5, c'est une énergie d'évolution, de changement. Il y a peut-être eu un conflit. Le pape, il nous parle de sagesse, il nous parle de retrait, il nous parle de bénédiction. Donc ici, vous quittez, pour moi, le sentiment d'être exclu, le sentiment d'exclusion. Pour moi, vous évoluez, vous changez d'état d'esprit parce que vous l'avez deux fois. Vous avez 5, 5, 5. Donc vous évoluez. En fait, cette énergie, elle va vous permettre de voir les possibilités justement qui s'offrent à vous. Cependant, il y a le 9 de denier qui nous parle de prudence. Le 9 de denier, il nous parle de quelqu'un qui discerne les choses, qui prend son temps, qui observe. Pour discerner les choses, pour étudier. L'ermite, il étudie ses possibilités. Donc, il s'isole. Pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a quand même de l'isolement. Il y a une prise de distance, un détachement, pour être plus exact, un détachement par rapport aux choses matérielles, par rapport aux conflits, par rapport, vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va y revenir, mais pour moi, c'est les commérages. Pour moi, vous vous détachez de ces choses-là. Alors, je viens d'avoir une alerte sur ma montre. L'éclipse lunaire se produira dans 5 minutes. Donc, on est vraiment en plein dedans. C'est pour ça que j'ai attendu pour faire les vidéos, parce que je voulais vraiment les faire du lundi au mercredi. Donc, dans les 48 heures, avec la pleine lune au milieu, là, on est en plein dedans. Donc, pour moi, vous vous détachez des choses matérielles. Ça peut être des commérages, ça peut être des soucis d'argent, ça peut être des soucis dans une relation. Voilà. Pour moi, vous vous détachez de ces choses-là, vous vous en éloignez, vous retournez. Alors, il y a peut-être de la solitude, mais avec le silence qui nous parle de l'étoile, pour moi, vraiment, vous êtes au-dessus. Pardon pour la brillance. Vous êtes au-dessus et vous êtes silencieux. Avec l'ermite, l'étoile, le pape, deux fois. Et le 9 de denier, pour moi, ça parle de quelqu'un qui étudie, qui est studieux, qui apprend et qui comprend. C'est-à-dire que vous restez en retrait pour voir les choses, pour les discerner, pour les comprendre, pour les étudier. Donc tout ça, c'est ce que la pleine lune va vous procurer. Ensuite, vous avez le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un. Alors, c'est vous, hein, les deniers, donc vous avez déjà deux deniers d'entrée de jeu, donc c'est bien vous, hein. Après, ça peut parler, donc, taureau, vierge, capricorne.
Donc l'énergie de la pleine lune plus vous. Vous étudiez. Le valet de denier, c'est l'étudiant, c'est quelqu'un qui est appliqué, qui fait ses devoirs, qui est dans l'étude, dans l'observation et qui a la faculté d'apprendre. Pour moi, vous êtes un signe de terre et vous êtes terre à terre. Voilà, pardon pour la redondance, mais c'est vraiment ici, je pense que vous avez dans les énergies psychologiques, donc les énergies générales, vous avez besoin d'étudier une situation. Parce que vous êtes dans le succès. Et il y a des choses, vous avez eu l'expérience, vous avez expérimenté quelque chose et maintenant vous êtes encore plus prudent. Par rapport à ça, vous aviez, donc comme je vous l'ai dit, le 7 de d'épée, qui peut parler d'un Gémeaux Balance Verseau. Le 7 d'épée, c'est tout ce qui va être caché et dont on s'éloigne. On prend ses affaires et on s'en va. D'accord? Parce qu'ici, on n'a pas envie de subir, on a l'expérience déjà, donc on n'a pas envie de subir encore des choses qui se sont passées. Ça peut être des commérages, pour moi, c'est des choses dont vraiment vous vous éloignez, vous prenez de la hauteur et limite, pardon, mais vous vous en foutez parce que vous avez mieux à faire. Et vous avez mieux à faire justement parce que vous avez le monde. Donc encore une lame majeure, vous avez trois lames majeures ici dans le Osho Zen et deux lames majeures dans le Golden Universal Tarot. Donc le monde ici, il nous parle de réussite, il nous parle de succès. C'est justement ce à quoi vous aspirez, ce qui vous motive. Donc vous êtes dans l'achèvement d'un cycle. D'accord? La pleine lune va entériner ce cycle, va balayer ce qui reste à balayer. Et du coup, vous allez avoir des facultés. Le 3 de denier, donc c'est encore vous, c'est quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui est dans le succès, qui est dans la... Alors, pas célébrité, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est... Voilà, encore dans... J'ai le mot studieux qui vient. Quelqu'un qui est studieux, quelqu'un qui s'applique, quelqu'un qui fait bien les choses, quelqu'un qui a du talent dans le travail, voilà, qui est motivé. Et du coup, vous êtes porté le fait de faire les choses bien. Votre mental ici, je sais que pour la nouvelle lune, parce que ce tirage m'avait un petit peu marqué, vous aviez la maison Dieu, je crois, en avant-dernière ou en dernière position. Alors, le mental ici avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Ici, ça nous parle de travail. Justement, votre mental est tourné vers le travail. Il est tourné vers les acquis, c'est-à-dire que vous allez apprendre puisque vous avez les deniers, vous avez l'ermite, le pape. Donc vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans le retrait. Vous êtes détaché des choses avec l'étoile. Vous avez des possibilités, mais avec votre expérience, vous préférez être prudent. Il y a beaucoup de prudence dans ces six premières cartes, enfin les cinq, on va dire, ici, parce que vous n'avez pas envie de vous sentir de nouveau exclu. Vous avez envie de prendre votre temps. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie de prendre votre temps, surtout avec l'ermite, d'accord, qui avance pas à pas. Et ici, votre mental, il vous guide vers la victoire, vers les succès. Vous avez l'achèvement, donc une fin de cycle tournée vers le succès, tournée vers la réussite. Et vous êtes vraiment concentré là-dedans. Donc les choses, les commérages, les choses que vous jugez non essentielles vont être ici balayées. Elles vont être mises de côté parce que ça ne vous intéresse plus. Et quand une possibilité s'offre à vous, vous allez prendre le temps de l'étudier. Vous avez le 9, 2, 9. Donc vous allez parachever votre étude, vous allez parachever votre connaissance des choses avant de prendre une décision. Ici, vous êtes vraiment dans des énergies, alors je ne dirais pas de lenteur, même si le pape et l'ermite dans des tirages en croix symbolisent un petit temps de ralentissement.
Ici, pour moi, ce n'est pas un ralentissement des choses, c'est vous qui prenez le temps d'étudier. On va voir au niveau sentimental maintenant ce que ça nous dit pour vous. Alors, je prends l'oracle G. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que je cherchais depuis un moment cette petite pierre. Et en posant vos cartes, j'ai fait tomber ma petite déco, voilà. Et j'ai retrouvé cette pierre que je cherchais depuis au moins 2 semaines, que je vais recharger tout à l'heure parce que c'est une pierre de lune. Je pense qu'on voit un petit peu ses reflets. Et voilà, je suis super contente de l'avoir retrouvée et j'estime que c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Alors, on y va pour le sentimental. Vous avez la bougie. Donc quelque chose. La bougie, c'est l'espoir, mais c'est aussi quelque chose qui continue de briller, qui apporte une petite lumière dans l'obscurité. Comme l'étoile, pour vous, peu importe si c'est obscur, vous allez prendre le temps d'éclairer la situation correctement. Alors là, on est au niveau sentimental, hein, donc ça peut être si vous êtes célibataire et que quelqu'un se présente à vous, vous allez prendre le temps de connaître cette personne. Si vous êtes en couple, vous allez prendre le temps. Alors là, on a 3 cartes qui sont tombées. Donc, ici, on a le petit garçon, l'escargot, les symboles sexuels. Je vais les mettre là d'ailleurs, vous les verrez mieux. Alors, j'ai acheté un trépied pour mieux cadrer, pour améliorer un petit peu la qualité des vidéos. J'ai acheté un micro aussi, malheureusement. La voix qui sortait de la vidéo n'était tout simplement pas audible. C'était une catastrophe. Alors ici, vous avez la consultante. Si vous êtes du signe vierge, madame, ça vous concerne. Si vous êtes un monsieur, c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, vraiment, moi, j'ai la sensation avec l'escargot que vous prenez le temps. Parce qu'à la clé, il y a une rencontre avec l'âme sœur, ou alors vous êtes avec l'âme sœur. Il y a un retour de la passion après un ralentissement. Le petit garçon, il peut parler de karma, il peut parler des choses du passé, de votre enfant intérieur aussi. Et vous avez pris le temps d'étudier. Parce que derrière, il y a quand même un regain de la passion. Vous avez des cartes, les symboles sexuels parlent de regain de passion. Ici, la personne, si c'est vous, ou alors la personne à laquelle vous pensez, va avoir plus de confiance en elle. La femme rouge, enfin la femme en rouge, c'est aussi une personne qui est charismatique. D'accord, qui c'est pas qu'elle accapare l'attention, elle est quand même comment dire distinguée. Néanmoins, il y a quand même un retour, j'ai envie de dire un peu de sexy. Voilà, j'ai envie de le dire avec les 2 cœurs. Donc ça nous parle d'union, ça nous parle d'un couple qui est vraiment dans l'union, dans l'échange. Voilà, c'est les 2 cœurs. Hein. Il y a aussi la liberté, donc les 2 cœurs, vous êtes plus léger peut-être, ou alors vous faites une rencontre qui vous rend plus léger, qui est vraiment enfin, durable, quoi. Mais vous prenez votre temps parce que vous peut-être que vous sentez, vous discernez les choses justement grâce à votre étude. Et du coup, vous allez aussi, je pense, avec ces 2 cartes, vous allez réfréner aussi peut-être un peu tout ce qui va trop vite. La passion, quand c'est trop charnel, trop puissant, trop. Voilà. Je pense que ça ne vous correspond pas trop. Je pense que vous mettez un petit peu. Vous aviez le 9 de denier, l'ermite, le pape. Donc, le 9 de denier vous symbolisant. Voilà. Vous avez, hop, le choix, les possibilités qui ressortent ici. Qui ressortent. Donc, pour moi ici, vraiment, je pense que vous prenez le temps de faire les choses bien, de faire les choses comme elles doivent se faire, c'est-à-dire étape par étape.
Il y a un regain de passion. Si c'est une rencontre, vous allez faire en sorte qu'elle ne soit pas passionnelle tout de suite. Vous allez vraiment, voilà, c'est brûler à petit feu, hein. C'est pas un grand feu de joie. C'est vraiment prendre le temps. Pour moi, c'est vraiment prendre le temps. Vous êtes dans le succès, vous avez envie que ce soit pérennisé. Ouais, le parchemin. Donc vous avez envie que ça dure. Vous avez envie de signer quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être un mariage, un acte notarié, un pacs, peu importe. Si c'est une nouvelle rencontre, vous avez envie que ça s'inscrive dans le temps. Donc vous prenez le temps. Vous n'êtes pas dans la précipitation, vous les vierges. Alors, on va prendre pour la sphère générale, sentimentale aussi, mais générale, donc les sphères familiales, etc. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe pour vous. Donc, avec les énergies de la pleine lune de juillet. Cas, c'est un beau tirage. Je trouve qu'il y a toutes les cartes sont encourageantes. Il y a de belles possibilités pour vous. C'est mieux que la nouvelle lune, donc c'est parfait. Et la pleine lune va balayer tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous entrave, et vous allez prendre le temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous les vierges avec l'oracle des miroirs? Donc, il faut aller chercher les cartes. Donc, pendant le mélange, j'ai arrêté de poster les mélanges sur Instagram parce que voilà, j'ai beaucoup de questions, beaucoup de guidances, donc j'ai plus forcément le temps. Néanmoins, voilà, je joue le jeu de laisser les cartes qui tombent pour avoir des messages plus précis. Le verdict, donc une prise de décision par rapport à vous, où vous prenez une décision. Pour moi, c'est plus vous hein, qui êtes là-dedans. Le boomerang, donc comme je l'avais dit, des choses du passé avec le petit garçon. Donc il y a peut-être des choses du passé qui reviennent. Et du coup, vous allez prendre le temps d'étudier. Parce qu'il y a eu des choses qui ne... En fait, vous ne vous intéressez plus à certaines choses et vous allez prendre le temps d'étudier la situation, de vous écouter, d'observer et de rendre un verdict. Pour moi, vous êtes là-dedans. Instabilité. Alors, ça peut être une situation qui vous a causé de l'instabilité, qui vous a causé de l'ennui. Vous aviez la maison Dieu. Hein, la dernière fois pour les énergies de la nouvelle lune. Donc ici, pour moi, vous avez pris une décision par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui vous rendait instable, parce que vous êtes un signe de terre, que vous êtes terre à terre, que vous êtes voilà, dans les choses qui sont fiables, qui sont stables, comme les taureaux, comme les capricornes. Voilà, vous prenez le temps, vous étudiez, vous êtes des bosseurs, des travailleurs. Donc, bosseur, bosseuse, hein, enfermement, parole, amitié. Alors pour moi ici, vous avez eu des... Il y a encore l'isolement, hein, il y a encore l'ermite, le pape. Pour moi, vous êtes isolé de certaines paroles, ça peut être des amis qui ont parlé sur vous, parce que vous avez rendu une décision ici. Vous aviez tout à l'heure le 7 d'épée hein, qui parlait de commérage. Donc pour moi, parole, amitié, voilà, il y a peut-être eu une parole manquée, enfin quelqu'un qui a failli à sa parole, et du coup, vous avez décidé, hop, moi je m'éloigne. C'est plus, ça m'intéresse plus en fait, j'ai mieux à faire, donc je m'éloigne, je m'isole. Alors, cette carte, elle veut parler, on va la prendre. Vous avez de la chance. Alors, ça peut être au niveau d'une rencontre. Moi, j'ai la sensation, c'est par rapport à une décision que vous avez prise, ça va vous être rendu par le boomerang, c'est aussi le karma. Et du coup, en étant vrai, en fait, ça va vous être rendu par l'univers, finalement. Naissance, donc nouveau projet. Ça peut être la naissance aussi. Et changement. Il y a encore beaucoup de changements. Il y a plein de signes qui ont eu cette carte, que ce soit la roue de fortune,
le changement dans l'eau Shosen. Enfin voilà, il y a du changement en tout cas pour tous les signes. Comme je le disais, cette pleine lune, elle va balayer des choses. Hein. Elle va balayer, elle va faire le ménage. Au revoir aux gens qui ne sont pas sincères. Au revoir aux choses qui ne m'intéressent plus. Ici, je suis dans d'autres sphères. Vous, les vierges, vous êtes dans d'autres sphères. Vous avez le succès en motivation principale. Donc vraiment, ce dont vous avez envie, c'est de réussir. Ce dont vous avez envie, c'est d'être tranquille. Moi, j'ai la sensation ici que l'instabilité, c'est quelque chose que vous avez dépassé, ou que vous allez dépasser, parce que l'isolement va vous permettre de vous éloigner de certaines paroles. Vous aviez le 7 d'épée ici, moi ça m'évoque le 7 d'épée. Et avec la chance, la naissance et le changement, vous aviez le 6 de bâton, vous aviez les deux cœurs aussi, donc vraiment, pardon, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus valable, quelque chose qui vous corresponde en fait. Alors, je vous laisse regarder vite fait les cartes. Je vais passer à l'oracle de la triade. Donc, triade, trois cartes. Je vais prendre trois cartes pour vous. Donc, ce qui se présente à vous avec l'oracle de la triade. Alors, pour les vierges, donc, des messages de la pleine lune, vous avez eh ben, des messages. Il suffisait de demander, il suffisait d'en parler. La science, donc l'étude encore, dans le rationnel aussi, la science, ça me parle de quelqu'un, enfin de vous, mais vous êtes rationnel. Je suis en train de me faire piquer par un moustique. Qui valide, hein, qui valide ce que je suis en train de vous dire. Le moustique, là, il est en train de vous dire, oui, vous êtes... Je dis n'importe quoi. La richesse. Et ben voilà. Donc la richesse, comme je vous le disais, vous avez envie de capitaliser. C'est-à-dire que le message, ça peut être des correspondances, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Vous allez étudier la situation et quelle que soit la décision que vous allez prendre, la décision va être rationnelle, elle va être réfléchie, elle va être étudiée. Et du coup, vous allez être dans l'abondance, dans la richesse. C'est-à-dire cette décision, vous aviez la chance tout à l'heure qui est tombée là, la décision que vous allez prendre va vous procurer en fait beaucoup de succès, de joie, de bonheur. Ici, en fait, vous allez prendre une décision mûrement réfléchie et ça va vous procurer, en fait, on va vous le rendre. C'est ce que je disais, l'univers va vous le rendre avec un nouveau projet, peut-être une nouvelle rencontre, avec un bébé. Enfin voilà, vous laissez le temps et l'univers va vous le rendre à votre juste mesure. Alors, on va prendre un message des anges. Donc, tiens, j'ai envie de prendre. Non, je vais prendre ça et après je vous prendrai un message de la Terre avec l'oracle de Gaïa. Donc, aucune des guidances que je fais avec la nouvelle lune, avec la pleine lune, pardon. Je suis vraiment mon instinct. Je prends les cartes qui me parlent. Donc, ça, il n'y a pas les mêmes cartes pour les signes, pas les mêmes jeux. Donc, un message pour les vierges avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Là, je trouve que les cartes qui sortent pour vous, enfin pour tous les signes, mais je trouve que ça vous correspond bien. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous souhaitez développer, je reste disponible sur ma boîte mail mango.faitdutarot@gmail.com. Page d'eau. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. Vous aviez le mental, l'ermite, le pape, deux fois le pape d'ailleurs. Donc voilà, ici, on parle de quelqu'un qui est intuitif, sensible, artistique et amical. Pour moi, ici, vous vous laissez le temps, comme je disais, d'étudier la situation. Ça peut être par rapport à une personne.
Ça peut être par rapport à la sphère amicale, comme on l'a vu avec l'oracle des miroirs. Mais en tout cas, les décisions que vous allez prendre, elles vont vous permettre de faire évoluer la richesse, l'abondance. Elles vont vous permettre de faire évoluer votre relation ou votre situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Je prends un message. Petit oracle des anges pour un message supplémentaire pour le signe Vierge avec la pleine lune de juillet 2019. Donc avec éclipse là qui a commencé. Alors je recommence parce que j'étais en train justement de guetter si la lune apparaissait à ma fenêtre. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. C'est l'étude encore, ça me parle d'étude, ça me parle de visualisation. Vous aviez capacité psychique accrue, le succès en énergie de fond, en volonté et les possibilités. Donc étudiez vos possibilités, les décisions que vous prendrez. De toute façon, seront justes et vous apporteront de la chance et de l'abondance. Allez, un dernier message. J'avais dit avec l'oracle de Gaïa. Parce que vous êtes un signe de terre et qu'ici c'est un message du ciel, on va voir un message de la terre maintenant pour les vierges. Donc les énergies de la pleine lune pour les vierges. Un message de la Terre, s'il vous plaît, pour les amis vierges. Déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Moi, j'ai la sensation au travers de cette carte, et pardon encore pour la brillance, je vais l'éloigner, que vous êtes ici créatif, créatif de quelque chose de nouveau. Vous allez vous élever à un stade supérieur, vous allez vous éloigner des choses que vous jugez néfastes, vous allez prendre le temps d'étudier les situations de manière à retrouver un équilibre, de manière à retrouver une certaine passion, mais passion mesurée. Vous êtes encore dans la mesure parce que vous ne vous précipitez pas. Et vous avez envie de vous ancrer dans une stabilité, dans quelque chose qui perdure. Un message de l'oracle des amoureux, parce que je crois que je l'ai pris pour tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Donc pour les vierges, pour les amis vierges, un message de l'oracle des amoureux. Et bien vous aurez deux messages. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et le deuxième message, seul le temps le dira. Donc voilà, étudiez et vous aurez la réponse dans quelques temps. Vous aurez la réponse de vous-même. Vous ne précipitez pas les choses parce que vous avez besoin d'observation, de visualisation aussi. Je vous le remets. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance de la pleine lune vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon mois de juillet les vierges, re-regardez la vidéo de la nouvelle lune, allez voir les vidéos d'autres personnes aussi, de manière à pouvoir compléter cette guidance. N'hésitez pas. Encore une fois, si vous avez des questions, envoyez-les-moi par email, je répondrai. Par rapport à la vidéo, je ne fais plus de cartes gratuites, je vais faire évoluer bientôt un site internet, on verra ça plus tard, j'en suis pas encore là, je prends moi aussi le temps, bien que je ne sois pas du tout du signe des Vierges, j'embrasse votre énergie parce que j'ai besoin d'étudier encore certaines choses. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous.